Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui à Histoire de Saint, on vous présente la vie d'une bienheureuse, la bienheureuse Conchita Cabrera. Alors c'est une sainte laïque, épouse et mère d'une famille nombreuse. Je me suis servi entre autres un petit peu du journal spirituel d'une mère de famille, qui est l'écrit qui a été traduit en français le plus connu, donc de cette bienheureuse. Et dans cet écrit, donc le père Philippon, l'auteur dit que tout au long de son existence va apparaître le contraste dans la vie de Conchita, donc d'une vie de plus en plus divine, mais sous les apparences les plus ordinaires. On peut dire que ça résume un peu sa vie. Pour tous ceux et celles qui l'ont connue, sa qualité première était la simplicité. Et pourtant, on a affaire à une véritable mystique. Ces expériences spirituelles et ces réflexions qui ont été écrites sur la demande de ces différents directeurs spirituels couvrent 60 000 pages manuscrites, c'est-à-dire que 60 000 pages écrites qui donnent 158 tomes. Certains théologiens ont comparé son œuvre à celle de la grande sainte Thérèse d'Avila. Alors, allons découvrir la vie de cette bienheureuse attachante. Alors, Maria de la Concepción Cabrera, mieux connue sous le nom de Conchita, est née le 8 décembre 1862. De là, d'ailleurs, elle tire son nom, puisque la conception immaculée de Marie, le dogme avait été établi en 1854. Elle est née quelques années après. Elle est la septième de 12 enfants. Est née dans une famille aisée de San Luis Potosí, au Mexique. Ses parents, Octaviano et Clara, appartiennent à la petite bourgeoisie et y sont profondément religieux. Dès sa tendre enfance, Conchita sent une grande attirance vers l'oraison, la prière, la pénitence et spécialement la vertu de pureté. Conchita est très jolie. Elle est passionnée par la musique et le chant, et aussi a une très belle voix. Toute sa vie, elle aura aussi la passion des chevaux. Elle se fiance encore toute jeune avec Francisco Armida. Puis survient la mort accidentelle de son frère Manuel, et à ce moment-là, Conchita décide de se donner encore davantage à Dieu. Cependant, pour elle, son tendre amour pour son fiancé Francisco n'est pas un obstacle pour son amour à Dieu. Ils se marieront donc en novembre 1884 et Conchita va faire promettre à son mari deux choses. La première, de lui laisser la liberté de communier à tous les jours, parce qu'elle a un grand amour de l'Eucharistie. Et la deuxième, de ne pas être jaloux. Ça, il y a eu un petit peu plus de misère là-dessus. La mère de Conchita va lui confier plus tard qu'elle a un mari exceptionnel. Entre 1885 et 1899, le couple va avoir 9 enfants. Conchita mène de front sa vie familiale en même temps qu'une intense recherche de Dieu. La famille vit aisément et les enfants vont avoir une bonne éducation. En 1889, alors qu'elle participe à des exercices spirituels, Conchita entend une parole intérieurement. « Ta mission, c'est de sauver des âmes. » Et à partir de ce moment-là, elle se sent interpellée encore plus à incarner la parole de Jésus dans une vie toute en Dieu, une vie de sainteté cachée, offerte pour le salut des âmes dans l'Église. En 1893, elle va perdre son fils Carlos, 6 ans, emporté par la fièvre typhoïde. Une épreuve très douloureuse pour la mère qu'elle est, mais elle réussit à s'abandonner à la volonté de Dieu, qui continue à l'attirer encore davantage à lui, spécialement à travers la croix. Et en 1895, justement, elle va vivre une forte expérience spirituelle en lien avec la croix de Jésus, qui va l'amener à fonder les œuvres de la croix, qui rassemblent tous ceux et celles qui veulent sanctifier leur vie quotidienne en s'identifiant au Christ en croix. En 1901, son époux Francisco meurt de façon prématurée. Conchita se retrouve alors veuve, seule pour élever sa nombreuse famille. Mais elle inculque si bien à ses enfants les préceptes de la foi catholique que quelques-uns vont faire profession de vie religieuse. Conchita est aussi bien active au sein de sa paroisse, spécialement en visitant les voisins pauvres ou malades. Appuyée sur ses écrits spirituels, Conchita va aussi donner naissance ou inspirer la fondation de 2 congrégations religieuses. Les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, fondées en 1897, elles sont des contemplatives et adoratrices de l'Eucharistie en vue de la sanctification des prêtres. Et plus tard, les missionnaires de l'Esprit Saint, qui vont être fondés par le père Félix Rougier en 1914. Conchita fonde également 2 autres associations de fidèles ayant pour but la prière pour les prêtres et la sanctification de leur ministère sacerdotal. Les dernières années de sa vie, Conchita les vit dans une grande austérité, partageant ses journées entre prière, écriture et visite aux religieuses ou membres des associations qu'elle a fondées. En 1913, par une permission exceptionnelle du pape Pie X, elle pourra même faire profession religieuse tout en restant dans son milieu familial. Elle s'éteint paisiblement, entourée de ses enfants, le 3 mars 1937 à Mexico. La cause pour sa béatification et canonisation a commencé en 1959, soit une vingtaine d'années après sa mort, dans l'archidiocèse de Mexico. En 1999, le pape Jean-Paul II a reconnu l'héroïcité donc de ses vertus et l'a déclarée vénérable. Puis en 2018, après la reconnaissance d'un miracle attribué à son intercession, le pape François a signé le décret permettant sa béatification. Cette cérémonie a eu lieu le 4 mai 2019 à Mexico. Alors maintenant, je vais vous lire un extrait du journal spirituel de Conchita pour que vous sachiez un peu comment elle s'exprimait et dans sa simplicité, là, comment elle vivait sa foi. Alors, l'expérience qui est relatée arrive après sa retraite des exercices spirituels là, qui lui l'ont comme... ont donné le feu. Là. Elle dit, « Or, précisément à cette période, je dus aller pendant quelque temps avec mes enfants à la campagne, à Jésus-Maria, la grande ferme de mon frère Octaviano, près de San Luis. Dès mon arrivée, je l'ai décidé à réunir les femmes des alentours afin que je leur donne quelques exercices spirituels, leur expliquant ce que j'avais moi-même entendu. Ce frère, qui fut toujours très bon envers moi et qui me chérissait avec une toute particulière prédilection, y consentit aussitôt. On rassembla une soixantaine de femmes. Il ne m'est même pas venu à la pensée le moindre sentiment de confusion, ni si c'était mal ou si je tomberais en des erreurs en parlant, ou même si cela pouvait être de la prétention ou de l'orgueil de ma part. Je sentais en moi un feu qui brûlait, et je désirais embraser d'autres cœurs de cette flamme. C'est tout. Nous avons donc commencé à la chapelle de l'Hacienda. Je me suis assis sur une chaise basse devant elle, et comme au pays des aveugles, les borgnes sont rois, ces pauvres femmes goûtaient fort ce que je leur disais. Elles pleuraient, saisies de contrition, jusqu'à vouloir me dire leur péché, ce que je n'ai pas accepté évidemment. À la fin des exercices, plusieurs prêtres vinrent les confesser et elles firent une communion fervente. Je me sentais heureuse de parler de mon Jésus et de sa très sainte mère. Les journées passaient rapidement et les heures s'envolaient en de si douces occupations. » Alors, dans cet extrait, on voit hein, tout l'amour de Conchita, je dirais, pour l'Eucharistie, pour le fait de donner Jésus aux autres, de l'annoncer, pour la Vierge Marie et aussi pour le ministère des prêtres. Donc, ça touche à tout. Merci d'avoir été là et à la prochaine capsule « Histoire de saints ».